Et c'est à ce moment-là que je remonte et que je vais pouvoir aller jouer la gagne. Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la course de Saint-Luce, un critérium qui a été couru le soir. Donc c'est-à-dire qu'on a commencé plutôt de jour et fini plutôt de nuit. On partait pour 2 heures de course et du coup ça correspond à peu près 80-85 km sur un circuit de 2,3 km et un circuit très rapide, vous allez voir. En fait, c'était à bloc tout le long, sans arrêt, sans pause, et c'était vraiment très intense. Et pour le coup, sur le 2,3 km, vous allez voir, il y a quasiment 3 grosses relances, donc ça fait que en fait, t'es totalement en prise toute la course, et c'est une course vraiment difficile. Et pour le coup, après la course, j'ai discuté avec pas mal de monde, et tout le monde l'a trouvé particulièrement difficile. Vous allez voir que cette course va être assez intéressante quand même, parce qu'il va se passer 2-3 trucs. Du coup, là on peut voir que je suis pas très bien placé au début, et pour le coup, je vais pas être très bien placé pendant longtemps. C'est-à-dire que jusqu'à 80% de la course, je vais être placé à l'arrière. Il y a des gars qui vont faire la course devant, il y a même deux gars qui vont faire quasiment toute la course seuls à l'avant. Alors je sais pas comment ils ont fait, parce que vu comment ça roulait vite, ils devaient rouler sacrément vite. Après, l'avantage quand t'es à deux, c'est que du coup, il n'y a pas besoin de freiner. Alors que nous, par exemple, là, dans ce rond-point qui est ici, dans le peloton, quand t'es derrière comme moi, je suis obligé de freiner beaucoup, parce que c'est comme ça. Et après, dans la relance qui est juste après, donc ça, c'est une des trois relances qui faisait très très mal. Là, ça monte pas du tout, hein, c'est tout plat. Il y a un peu de vent, mais cette relance-là était terrible. À tous les tours, sincèrement, il y a beaucoup de fois où ça a été compliqué parce que j'étais à bloc, hein, littéralement, et ça a été dur pour moi. Mais du coup, sur 80% de la course, je suis resté à l'arrière, très mal placé, et du coup, j'ai beaucoup subi les relances. Et à 90% de la course, je me suis dit, bon, allez, Quentin, on se ressaisit, on va remonter. Et ça, vous allez pouvoir analyser tout ça dans cette vidéo. Je vous invite, si c'est toujours pas le cas, à vous abonner, à liker la vidéo, ça aide énormément la chaîne YouTube. Là on est en bas de la descente, juste avant le virage de l'arrivée, et là on se retrouve dans la côte donc, de l'arrivée. Et j'ai allumé la GoPro à ce moment de la course parce que, en fait, pour tout vous dire, là on est à peu près à 45 minutes de course. À ce moment là, je pensais arrêter, je pensais vraiment que j'allais abandonner. On peut voir que je lâche la roue du gars de devant ici, et je m'écarte sur la droite en mode allez-y, passez, j'abandonne en fait. J'étais totalement à bloc depuis 45 minutes, depuis le départ finalement, et du coup je m'étais dit, je suis tellement minable que voilà, je suis mauvais, vas-y, arrête. Et en fait, quand j'ai reculé ici, comme on peut le voir à l'image, je me suis rendu compte que derrière, il n'y avait plus personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, là où je pensais que j'étais en milieu de peloton et qu'en fait, j'étais juste mauvais, c'est juste qu'en fait, c'était super dur. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais pas particulièrement mauvais, j'étais juste comme les autres à bloc. Et en gros, je me suis rendu compte que il y avait déjà la moitié du peloton qui avait abandonné parce que c'était super dur en fait. Et ça m'a redonné un petit peu un élan de motivation en me disant, bon, c'est pas ma faute, tout le monde est à bloc, et si tout le monde est à bloc, bah, c'est que je peux continuer. Du coup, à ce moment-là, je vais me ressaisir. C'est vraiment le moment important de la course, et c'est intéressant à analyser parce que là, physiquement, j'étais à bloc, mais physiquement, j'étais capable parce que j'ai réussi. Je vais finir la course, je vous le dis tout de suite. Donc, physiquement, j'étais capable, mais moralement, là, j'aurais abandonné sinon. Et du coup, comme quoi, des fois, avec la tête, on peut faire des trucs. Et je me suis retrouvé dans la roue de ce coureur-là. C'est un coureur que je connais parce que mon père le connaît depuis longtemps. Et je sais comment il roule. Et en fait, je sais qu'il est très régulier dans sa façon de rouler. C'est-à-dire que c'est pas un petit jeune qui va mettre des grosses relances. Et moi, enfin, c'est des trucs que j'apprécie pas parce que les relances, ça me fait mal particulièrement. Je suis pas entraîné pour. Et quelqu'un qui est régulier par rapport à mon profil, c'est beaucoup mieux pour moi. Du coup, là, je prends la roue de ce coureur. Et à partir de là, je me suis dit, bon, bah, je garde sa roue. Je sais que les critériums, il est large, enfin, il est bon pour ça. Et je sais qu'il fera aucune relance trop forte et qu'il sera régulier. En fait, c'était une très bonne roue pour moi. Et je vais rester dans sa roue un bon moment pendant quelques tours là. Un autre truc qui était intéressant à analyser, c'est qu'ici, on remarque que là, ça fait rideau. Ça ralentit avant le virage qui est juste après. Et en fait, quasiment tous les tours, sur la fin, quand ça commençait à être un peu plus fatigué le peloton, à cet endroit-là, ça se regardait un peu plus, ça faisait barrage comme ça, ça faisait rideau, et au final, ça veut dire que je savais qu'à cet endroit-là, si je voulais remonter à un moment, tout le reste du circuit, c'était impossible, ça roulait beaucoup trop vite, mais à cet endroit-là, sauf certains tours où ça coupait pas, ça avait tendance à ralentir. Donc je savais que si je voulais remonter à l'avant, et c'est actuellement mon objectif ici, bah c'est à ce moment-là qu'il faudra que je remonte à cet endroit-là du circuit.
comme je vous le disais tout à l'heure, encore une fois ici ça a ralenti, et du coup je vais en profiter, je vais essayer de remonter sur la gauche. Bon, forcément vu qu'il y a le rond-point, j'ai dû faire un petit move technique, mais ça m'a permis de remonter vachement, regardez. Je remonte quasiment à la hauteur de mon frère, alors que bah, du coup j'étais vachement plus loin. Ça prouve que là j'ai gagné pas mal de place. Je le ferai qu'une seule fois pendant la course parce que en vrai ça peut, c'est, enfin, je trouve que c'est un peu trop de risque pour rien, mais dans l'idée ça permet quand même de prendre des places sans aucun effort. Et comme je vous disais tout à l'heure, à cet endroit là on faisait gauche droite avec le rond-point, et à chaque fois cette relance elle a été terrible pour moi. En gros, pour vous dire, il y a quand même une bonne dizaine de fois sur les 37 là que j'ai failli lâcher, en fait craquer, parce que c'était vraiment dur, fallait vraiment appuyer sur les pédales. Et pour le coup, ça faisait mal. Et là, on est à 10 tours de l'arrivée. Donc là, c'est affiché 10 tours sur le podium. Et je me rappelle de ce moment-là parce que mon frère était à côté de moi. Et on s'est regardé, parce que lui aussi, il était dans le dur quand même. Et on s'est regardé et on s'est dit, allez, il nous reste 10 tours à faire. On s'accroche et ça va le faire. Parce que nous, enfin lui aussi, on est, enfin, ça faisait 1h30 là qu'on est en course. Il nous reste donc environ une demi-heure à parcourir. Et... on trouvait ça long, hein. Pour le coup, les tours, on les comptait, et quand on a vu 10 tours, on s'est dit, vas-y, on va réussir à finir, on se donne à fond, on va y arriver. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, je vais même remonter à l'avant, parce que moi, je voulais faire un résultat, je voulais pas juste finir. Donc, à partir de ce 10 tours, je me suis dit, allez, maintenant, on remonte, et vous allez voir que je vais y arriver. Comme je vous expliquais tout à l'heure, du coup, je suis remonté pas mal dans tout ce qui était virage, afin de faire le moins d'efforts possible. Par exemple, là, en prenant l'intérieur, regardez le nombre de places que je gagne. Bah, c'est hyper intéressant si tu veux remonter. Et là, dans la côte de l'arrivée, pour la première fois, ça ralentit. D'habitude, ça roulait toujours super fort. Et là, je vois que ça ralentit énormément. Et je saisis l'occasion pour remonter. C'est-à-dire que là, du coup, tout le monde se met sur la droite. J'en profite, je remonte sur la gauche. Alors, j'aurais préféré remonter encore un peu plus. Comme ça, j'aurais fini ma remontée et c'était directement cool. Mais là, regardez le nombre de places que j'ai gagnées. Je me replace dans les 20 premiers et je suis actuellement, du coup, placé. Sachant qu'en plus... Bon, à ce moment-là de la course, il me semble qu'on était déjà revenu sur le groupe, enfin l'échappée. Donc là, actuellement, je suis bien placé et on joue la gagne. Donc pour l'instant, c'est très intéressant et l'objectif, bah, ça va être de faire un bon résultat. Le fait d'être monté, du coup, comme vous pouvez voir, quand ça attaque, je suis là, je peux accompagner, je peux aller faire un résultat. Et en plus de ça, il faut savoir que du coup, vu que j'avais pas roulé depuis la semaine d'avant à la dernière course, forcément, bah, j'étais pas très bien sur le début de course, j'étais pas bien échauffé, etc. Et en l'occurrence, j'ai mis une bonne heure avant d'être chaud et d'être un peu ok et d'être dans la course tout simplement. Donc là, en fait, dans ces 10 derniers tours, il y a un petit peu ça qui a joué, ça veut dire que j'étais enfin chaud et ça allait beaucoup mieux pour moi. Et en plus, vu que j'étais mieux placé, je subissais beaucoup moins les relances étaient beaucoup moins fortes. Et au final, plus je me plaçais bien à l'avant, moins je forçais. Et en fait, ça c'est un truc qui est un peu contradictoire parce qu'on le sait quand on est mal placé qu'on fait plus d'efforts. Donc en fait, t'es mal placé parce que t'es moins bien. Mais du coup, tu fais plus d'efforts, donc t'es encore moins bien. Et vu que t'es moins bien, bah t'es pas capable de remonter pour te placer. Et du coup, tu fais encore plus d'efforts pour rester derrière. Bref, c'est un cercle vicieux. Quand t'es pas bien comme ça et que tu te retrouves à l'arrière, où tu peux pas t'en sortir. Et en l'occurrence, c'est ce qui m'est arrivé pendant toute cette course. Parce que pendant les 1h30 avant que je remonte, quand je vous ai montré là, eh bien, je voulais remonter. Je n'ai pas bougé. J'étais à la même place pendant toute la course. Et mon frère m'a dit la même chose. Lui, il était un tout petit peu mieux placé. Il a passé toute la course au même endroit. Il y a eu zéro mouvement. Enfin, franchement, ça roulait tellement vite que tu ne pouvais pas remonter comme ça, sauf si tu faisais un effort conséquent. Et en l'occurrence, j'en étais pas capable. Du coup, là, mieux je me plaçais à l'avant, mieux j'étais. Donc en fait, c'était un cercle positif qui me permettait de me dire, bah en fait, je suis pas si mal, je vais peut-être m'en sortir. Je pourrais faire un bon résultat. D'ailleurs, faut toujours rester vigilant. Regardez la cassure que le coureur qui est devant moi est en train de faire. Alors certes, dans la descente avant un virage, j'imagine qu'il comptait rattraper ça dans le virage, mais... faut pas prendre de risques, enfin, surtout quand t'es un peu juste, garder le contact, prendre aucun risque et surtout rester vigilant que personne te fait de cassure comme ça, parce que bah, ça peut aller vite, une cassure, t'es pas capable de boucher, c'est fini. Donc là, en l'occurrence, faut rester vigilant. Il nous reste actuellement 2 tours et en fait, là, on joue la gagne. C'est-à-dire que le moment, là, dans ces 2 derniers tours, c'est là que ça s'est joué. Il y a un groupe de 4 qui vont partir et ils vont aller jouer la gagne. Sauf que moi, comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu reculé, c'est-à-dire qu'il y a du monde forcément qui remonte un par un. Et surtout, là, on le voit, je suis dans le dur. En gros, là, il y a le gars qui est devant moi qui est en train de sauter. Je suis même pas capable de boucher. Et on voit que je suis à plus de 190 au cœur. Donc forcément, c'est la preuve que je suis à bloc. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que là, je suis passé au stade où je commençais à être cramé. Parce que tous les efforts que j'ai fait tout le long de la course, à subir les relances, à être à bloc constamment, eh bien, bah, c'est maintenant que ça paye. C'est-à-dire que...
Là où si j'avais été placé toute la course, j'aurais fait aucun effort, entre guillemets, j'aurais été frais sur la fin. Eh bien là, j'étais pas du tout frais, j'étais complètement cramé, j'étais rincé. Donc forcément, là, je subis. Et du coup, je me rends compte qu'au finalement, ça va être compliqué pour moi. J'ai pas la capacité pour remonter, me placer à l'avant, parce que ce qui va se passer là, ça va être quasiment un sprint peloton groupé, parce qu'on a 4 qui vont aller jouer la gagne, mais c'est quasiment un sprint peloton groupé. Et enfin, vu la configuration du circuit, le dernier virage, la côte, etc., faut être placé dans les 10 premiers si tu veux aller faire un résultat. Et en l'occurrence, là, je suis beaucoup trop loin, ça roule beaucoup, beaucoup trop vite. C'est impossible pour moi de remonter. Regardez comment ça bordure là. Enfin, ça roule super fort tout simplement. Donc en fait, là, à partir de là, il nous reste 2 tours à parcourir. Je sais que je ne pourrai pas aller jouer la gagne, je ne pourrai pas aller faire de résultat. Je vais juste finir la course, ce qui est déjà un très gros exploit, hein, parce que je crois que sur les 110, il y a la moitié qui a abandonné. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Je vais me placer du coup 38e de cette course. Je vais faire le sprint quand même, en étant loin, mais pour l'entraînement. C'est-à-dire que le but, c'est de finir une course par un effort violent, parce que le jour où je serai bien placé, et que potentiellement je pourrais faire un bon résultat, eh bien, faut que je sois capable de faire le sprint. Donc, comme d'habitude, et comme je vous le répète à chaque fois, du coup, je fais le sprint, même s'il n'y a pas de résultat, uniquement pour l'entraînement. Et puis, vous voyez, c'était un peu tendu quand même, parce que même pour une place qui sert à rien, là, ça frotte pas mal. Il y en a plein qui arrêtent de rouler aussi, parce qu'ils veulent pas prendre de risques, mais du coup, ça fait que tu arrives très vite sur eux. Bref. Moi, ça, j'avais aucun intérêt à prendre des risques. J'ai des courses tous les week-ends. L'idée, c'est pas de se blesser sur une course où tu feras pas un bon résultat. Donc là, l'idée, c'est de finir sans tomber et de faire le petit sprint d'entraînement. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye. Le coureur, hein.